Amis, bonjour. Pour vous qui avez choisi de faire la caméra, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour commencer? Il vous faut une caméra, un trépied, un micro, une minette, c'est-à-dire une petite lampe. Maintenant, quand vous prenez la caméra, vous allez me dire, mais une caméra, c'est quoi? Ou un caméscope, c'est quoi? Quand c'est une caméra, retenez que c'est une boîte à images, comme le caméscope. Mais un caméscope est composé de quoi? Un caméscope est composé du magnétoscope et de la caméra. C'est combiné. Maintenant, si vous prenez une caméra est composée de deux parties essentielles. La partie optique et la partie mécanique. La partie optique, c'est quoi? C'est composé de tout ce qui est vert, c'est-à-dire l'objectif, l'écran LCD, le viseur. Maintenant, le boîtier, c'est-à-dire la partie mécanique, c'est le boîtier. C'est sur ça qu'on fixe l'objectif. C'est sur ça qu'est fixé l'écran LCD et tout ce qui est réglage. Vous savez que apprendre le langage cinématographique, c'est aussi le vocabulaire du langage cinématographique. Aujourd'hui, nous allons voir quelques mots. Image. Une image, c'est quoi? Une image, c'est un ensemble de petits éléments que l'on appelle pixels, qui, une fois au contact de la lumière, prend corps sur un support. Tant que ce n'est pas passé au révélateur, ça reste à l'état latent. Quand on parle d'image, qui est le tout petit élément du langage filmique, on parle de plan. Jeneba, la pure, la belle, la flamme, l'étincelle. Aujourd'hui, ton jour est venu. Un plan, c'est quoi? C'est une succession d'images. Un plan, ça commence où et ça s'arrête où? Dès que vous déclenchez la caméra et dès que vous appuyez sur, c'est-à-dire dès que vous appuyez sur REC et dès que vous coupez la caméra, vous avez une portion. C'est ça qu'on appelle plan. Quand on parle de plan, on parle de séquence. Une séquence, c'est quoi? Une séquence, c'est une suite, c'est-à-dire plusieurs plans. Quand on parle de séquence, on parle de scène. La scène est composée de plusieurs séquences. C'est du chantage, c'est vrai, c'est du chantage, c'est inhumain, vous ne pouvez pas me faire ça. Et pour qui tu me prends? C'est pas du chantage, c'est un service que je te rends. Regarde, tu as le choix entre deux possibilités. Ici, c'est mon cousin à Boussouan. Tu vois comme il a l'air malheureux. Je peux te dire qu'il est amoureux. Sérieusement. Si tu lui donnes la main de ta fille, tout s'arrange pour lui. Et pour toi aussi. Maintenant, deuxième possibilité. À toi de décider. Tu as le choix. Tu es libre. J'espère que vous avez compris pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de apprendre le langage cinématographique.